Diablo, tout le monde sait Diablo, on se retrouve pour la vidéo suivante sur Discord Pitch, je sais plus quel épisode, 6. Bref, donc la dernière fois on s'était arrêté après avoir fait quelques courses avec la Mustang, et je pense qu'il est maintenant temps de la personnaliser un peu, au niveau des performances, parce qu'elle se traîne un peu. Et j'aurais faire une drifteuse, donc il va falloir que je l'allège un peu aussi. Donc j'ai assez de thunes, hein, j'ai 24 000, alors ça devrait faire l'affaire. Attention, bah, j'ai déjà pratiquement au max, hein, alors que je suis très très coucou Adri, des Cassadri, voilà, fait coucou YouTube. On est en même temps sur Twitch, hein, les gens ont évolué, hein. YouTube c'est un peu has-been maintenant, hein, sur Twitch. Hein. Alors, pour ce qui est du turbo-compresseur, là on a plusieurs choix. Alors ça va être en fonction des stats là, qu'on voit, entre le 0 à 100 et le 1 car miles, 500 mètres, et la vitesse de pointe. Ouais, on va plutôt foutre un celui-là, là. Même non, non celui-là il y a un peu plus de couple, on va prendre celui-là. Comme admission forcée, tac, calculateur, no, lol, MDR, la blague, de Reno, ah j'ai presque... J'ai plus de fond, merde. Le bloc moteur on va le laisser d'origine. Hein. Il me semble que ça crache pas mal de 1. On va modifier, je disais plutôt en les foutant en drift. Hop, tac, comme ça va glisser, 1, bien sûr. Avec hein. Ah, frein à main aussi. Tout plus avoir beaucoup de que je fasse des courses. Peut-être que je ferai des courses un petit peu hors scénario. Donc, je sais pas si je les laisserai en vidéo ou pas. À vous de me dire en commentaire. Là pour cette vidéo je le laisserai, mais ça dérange. Je trouvais ça un peu chiant. Bleu et je leur ça. Voilà. Bah là je suis à 400 balles. Hein. Je suis vraiment strict minimum. Après niveau personnalisation, pardon. J'ai pas récupéré d'autres pièces gratuites. Peinture habillage, j'ai pas modifié pour l'instant l'habillage, on va peut-être modifier juste l'esthétique. Sauf si c'est payant, bah c'est payant, bah, c'est mort. On va rester comme ça pour l'instant, on fera ça plus tard. Là on va plutôt privilégier les courses drift du coup. Hein, que... En plus j'ai pas fait des réglages, voilà, le comportement etc. Pas grave. Hein. Donc je pense que je refais encore des petites sessions multijoueurs parce que ça rapporte pas mal. Là voilà, avec les BRZ du début, j'ai fait une session multijoueur, j'ai gagné 75 000 en 3 courses, 3-4 courses. Ça rapporte pas mal et en plus ça affecte pas du tout le solo quoi. Petite Mustang. Bon par contre ouais, dès que je sors du garage, hop, mon processeur passe à 100%, donc peut-être ça va un peu laguer. Et normalement j'ai corrigé, normalement ça devrait aussi être... Quête c'est parfait, ok. On va essayer d'aller un peu vite pour voir s'il y a toujours le bug là de changement de map. Normalement ça devrait être réglé. Hein. Réglages, ça devrait être bon, mais on va tester en allant un peu plus vite. Il faudra que je modifie le comportement un peu, hein, parce que elle a rattrapé quand elle part. Mais un donut, ça va faire. Là, moi j'ai déjà récupéré, il y a un donut scatché là. Ouais. J'ai récupéré. Voilà. Ça sera un peu mieux, je pense. Ah, puis il y a des joueurs random qui rejoignent la partie. Hein. C'est vous connecter sur speed. Bon, du coup, bah, on va pas tarder. On va pencher l'émission. On va continuer avec Amy hein, pour débloquer d'autres pièces. Ah bah, ok. Sortie du garage pour aller de nouveau au garage. Vers. De notre stage, je l'ai fait. Il n'est plus indiqué sur le radar. Même un petit peu bien fait. Ah merde, les keufs. Bon, les queues dans ce jeu, hein, pour l'instant je me suis jamais fait arrêter. Ça dure 5 secondes et c'est fou pour eux. Merde. Voilà, hop, voilà. Comment d'éviter, encore de la RP. J'ai gagné un max de rep. Un max de rep. Qu'est-ce qu'elle me veut elle? Elle veut me chauffer encore. Hop, allez, encore un chargement. Bah, vu qu'on est de nouveau dans le garage, si après la cinématique on est toujours dans le garage, différer le comportement vite fait. Lisez l'histoire! Salut. Il faut absolument que tu me laisses poster ces photos. Bah, vas-y, fais. Le chef tombe dessus, tu vois le truc? Mais juste une chose. On n'est pas du genre suicidaire, hein? Non, donc. L'objectif, c'est d'équilibrer ton projet pour gérer toute cette puissance. Ça, c'est la phase 2, ok? Tu savais que Nakai-san, il a commencé comme nous par des rodéos clandestins. Et aujourd'hui, il vend ses projets à des clients dans le monde entier. C'est vrai. Je suis une personne exceptionnelle. Continue d'écouter tes sons de la forêt tropicale, Manu. Je viens de poster une photo de nos projets, regarde. Ah. Oh.
C'est trop sympa. Ouais. Ouh, trop cool. Elle va pas dormir de la nuit pour voir si le chef clique sur j'aime. N'importe quoi, mec. Tu passes trop de temps dans cet atelier, à mon goût. On a aussi besoin de toi de... au volant. Sympathique. C'est ça, ouais. Je te dis à plus, ok? Peace. Allez, c'est bien, parce que du coup on est de nouveau dans le garage, alors on va pouvoir faire le comportement. Donc, les pneus, la pression, un train arrière plus baladeur, etc. On va mettre un peu plus sur l'avant. Bienvenue Snow Willan et ceux qui rejoignent le High We Speak English. Bon bah, c'est la stabilité, non, hein, on n'est pas des brais. Ah oui, et puis il y a le différentiel à mettre aussi après, mais pour ça il faut l'argent. Et enfin, en fait, ça sera important aussi pour avoir un bon équilibre avec l'avant et l'arrière. Ah, ça c'est Forza qui met. Course of course, le carrefour, Leclerc, les courses, lol. Allez, c'est les deux joueurs qui sont partis là. Bon, on va voir un petit peu ce qu'elle a. Non, du coup, ouais, elle part plus mieux. Hein. Un peu mieux. Bon, est-ce qu'on peut régler directement en repasser par le garage? Je crois pas. Ah, il y a encore des trucs là, j'ai pas fait gaffe. Force du freinage, un peu plus. Pas du freinage. Vers l'avant. Tricité des pneus moindre, comme ça, ça drift comme il faut. Force du frein à main un peu forte. Sûreté des ressorts, trop puissance, hein. Et pour l'instant je reste en automatique. Ça peut changer, hein. Je peux repasser en manuel si jamais ça me fait chier que la boîte elle décolle. Voir si ça gère le jeu, gère bien l'automatique ou pas en drift. On va voir ça. Après elle est vraie, hein, sans manuel. Hein. À nous. Là, c'est un peu plus stable. Bon du coup, bref, continue l'émission. Amy Farrah Fowler. Jim Kaka. Ah, du Gymkhana. Gymkhana, non. Je pense qu'on va faire du drift avec Manu, du coup. Jim Kaka, je vais plutôt le faire avec la BRZ. Peut-être une autre bagnole. Et pour ça, il faut de la thune, parce que je suis à 400, donc il va faire plein de courses. D'ailleurs, dites-moi, hein, si c'est une bagnole qui vous intéresserait à vos R, que je la prenne. Et un petit peu le topo des voitures, pardon. Après la course, on va vite fait dans le garage voir si je peux encore améliorer la bagnole. Je vais montrer un petit peu de nouveau la liste des bagnoles qu'il y a dans le jeu. Bon, je suis un peu de la merde du coup là. Allez, on va se concentrer. Après, des fois ça gagne un petit peu. Hein. Je pense que je vais couper le retour. J'ai recoupé le retour sur Twitch. Les jeux gourmands, c'est le processeur qui empathie un peu, donc voilà, j'ai coupé le retour sur Twitch. Juste le chat, hein, je pourrais être comme un de vous lire. Et j'ai coupé le retour. Ouais, j'ai déjà gagné 10%, c'est un peu mieux. Par contre voilà. J'ai mis des freins qui sont faibles, etc. Ça met un peu plus de temps à freiner. Après, la déco elle est vouée à changer, hein, parce que les bandes planches, je ne sais pas trop pas si vous trouvez ça bien. Moi, en tout cas, elles sont un peu trop larges. Regarde, elle est partie toute seule sur la droite. À la gauche. Oula, c'est un joueur ça. Un joueur ou un IA, j'ai pas fait gaffe, mais ça allait vite. Ça allait un peu vite. Il y a une photo qui est en bas à faire. Après, je pense que je ferai une vidéo spéciale pour les collectibles. Enfin, un petit freeride de 45 minutes. Je vais tout récupérer. Ça sera fait. Des petits épisodes de bonus, hein, hors série comme ça. Si vous voulez voir de la course en multijoueur ou autre, hein. Voilà, c'était un peu noir là. Bon, pour l'instant, je suis un peu verni. On a toujours pas eu le bug à traverser de la map. Ça a l'air d'être réglé là. Comme je pense avoir réussi à bien régler le truc. De 4 heures, ouais. De 4 heures. Ah, il faut tourner là.
Ah, j'ai bien tourné. Tellement tourné que je me suis retourné. Ah, on est passé du joueur, PA4. Ah, petite photo là sur la route, on va en profiter. Voilà. Bon, après c'est pas des super angles, etc. Mais c'est juste pour les collectibles. Les photos là, on les récupère en fait. Elles sont pas récupérables, c'est juste pour valider les. Et puis un flic là. Ok, un bug. L'appel gyrophare. Non, hey, stop. On va essayer de durer 2 minutes pour la poursuite, parce que j'ai aussi un course où il faut durer 2 minutes. On va jouer un petit peu avec eux. Attends un peu, hein. Là je l'ai un petit peu désorienté je crois. Ils sont grave nuls en fait. J'espère que en payback sont un peu plus coriaces que là. Allez. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de klaxons là dans ce jeu. Je crois qu'ils rajoutent des klaxons personnalisables en payback. Dans Most Wanted mais au niveau 1, on est obligé d'attendre le flic. Non, il est nu. Maintenant, on va passer 2 minutes. Hop, s'il est semé du coup. LOL, salut Tom. Là, ok, j'ai à peine touché le mur quoi. Elles sont aussi nulles que les flics dans The Crew. Hein. Voire pire que The Crew. Et c'est fort en plus hein, de faire pire que The Crew pour les flics. Ah. Qui veut Travis ? Je suis occupé là, Travis. Hein. Ah, j'ai dû atteindre le niveau 20 pour ça. Hein. Ah, c'est avec Eddie. Eddie Malou. Je savais pas qu'Eddie Malou était dans le jeu. Où les flics sont attardés. Là je suis désolé mais là je pense que dans eux ils sont attardés mais ils te poursuivent. Alors que là on n'a même pas 10 mètres et on les a lâchés. Puis là, je m'arrête au feu rouge. Un citoyen, le moteur. Hop. Et donc tu en redemandes s'il me veut le petit. On est une poursuite de 2 minutes. Bah pourtant j'ai fait 2 minutes. Ah ok, donc tu demandes. Écoute, ok. Ok, petit enfoiré. Bon, on va continuer notre progression, on est plus très loin là de. La course de drift, hein. Voilà, c'était un petit imprévu, les flics qui sont
sont tombés dessus. Rien pu faire. C'est la fois il s'est fait embarquer par les flics. Ce sera sans moi. Désolé, tu vas devoir drifter tout seul. Ok. Allez, à plus. Ouais, bah il va prendre encore le drift alors que c'est la deuxième épreuve qu'on fait. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? C'est de cumuler 2 500 $ d'amende. Pas à ce niveau. Je peux pas faire marche arrière, évite de te faire arrêter. Voilà. Au niveau des flics, hein. Au moins de con pour se faire arrêter. Hein. Allez, on est parti. Pas de 2. Parti pour le drift. Et là, je trouve encore un peu lourd ce temps. Par contre, je suis tout seul. Ça. Notre chalou, il nous a lâché. Pas encore assez bien pour le drift. Hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Faut que je la configure encore un peu. Par contre, à chaque fois que je sors d'un virage, il y a un petit moment de latence. C'est un peu chelou. La voiture elle tente pas quand je veux. Ça doit être à cause des aides. Je vais désactiver après. En tout cas, le drift est meilleur que dans The Crew. Hein. Oui, Eddie, c'est bon. Ok. Ok, mon con. Là, ils ont revu le drift hein, dans The Crew 2. Hein. Dans le 1, il y a... Voilà, hop, on arrive. Ouais, c'est juste pour cumuler un peu plus. 42 000, bon. Encore perso. Ouais, largement du net SFR's work. Bon, je suis niveau 20. On a reçu une belle pièce. Dans The Crew, le drift, c'est aléatoire. Surtout, si t'as plus de sensations, c'est... Bravo. Ok Manu. Bon, du coup on va retourner au garage. Hein. On a combien là? 4000. 4000 je pense que ça va nous suffire. On va aller voir Amy. Amy Firefaller. Après. Hein. Au garage. Hop. Et... C'est quoi avec les bandes? Non mais ça c'est provisoire. D'ailleurs je vais faire maintenant, on va modifier un peu les bandes. Modifier un petit peu l'esthétique de la bagnole. La bagnole là. Attendez une chose, avant je vérifie juste. Est-ce que c'est bien pris en compte? Ouais ça capture toujours. On ne trouve pas comme un con à faire 20 à 30 minutes de vidéo sans que ça capture. Bon, on va modifier un peu. On va essayer de booster le moteur déjà. J'ai pas encore le niveau suffisant pour. On va laisser encore d'origine. On va essayer de cumuler 6000 balles. D'accord. Je vais changer de l'arbre à cam. Culasse. Un joint de culasse. Bon, j'ai 40 $ là, pas aller loin. On va changer de vêtements, on va changer la
esthétique là, on va modifier tout ça. On va bien voir, de toute façon, enfin je tâte un peu plus le truc de customisation, il faut que je m'y fasse. Là voilà, c'est un peu random. Je suis pas un expert. Hein. Pour l'instant je vais laisser comme ça. De toute façon je vais arrêter l'épisode là, hein. Ça va être un peu long. Il y a des petites coupures entre les moments de bug et les chargements un peu trop longués. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablo. Rendez-vous à l'épisode suivant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, si ça vous intéresse le contenu. Si vous tombez sur cet épisode par hasard, bah, il y a le début de la du let's play dans la description, hein, il y a la playlist. Voilà, je suis également sur Twitch, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch bien évidemment. Hein. D'ailleurs je vous invite à venir plutôt sur Twitch hein, pour voir les vidéos en direct. Et venir interagir avec moi en direct. Bon bah laissez des commentaires hein, s'il y a des trucs qui vont pas ou que vous aimez pas ou que vous aimez hein, tout simplement. Ça me fait aussi plaisir de voir des commentaires positifs, mais voilà, les commentaires ça me fait plaisir aussi. Je réponds, hein. Je réponds peut-être pas instant T, mais je réponds dans la journée. Et lâchez un petit pouce en l'air aussi hein, pour le référencement. Ça m'aiderait bien. Je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, ciao.